Salut les youtubeurs, ça va, c'est Fifi. Bon, j'ai la pêche les gars, vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, c'est le soir, j'ai presque fini la journée. Mais bon, j'ai dit, je leur avais promis une petite vidéo. Je vais faire une petite vidéo. Donc, j'ai mis au point une nouvelle recette. En fait, c'est une recette à l'ancienne. Là, ce soir, on va faire des saucisses. Voilà, des petites chipolatas que tout le monde connaît. Voilà, alors comme d'habitude, des épaules de porc, des ossées. Voilà. Dans ce coup-ci, donc, j'ai décidé, dans mes saucisses, je ne mets plus ni conservateur, ni rossisseur, ni quoi que ce soit. Voilà, on va les faire à l'ancienne. Tout simplement, saucisses naturelles, sel et poivre. Ceux qui veulent en faire à la maison pourront le faire. Voilà. Donc, du poivre noir, comme d'habitude, fin. Du sel, fin aussi. Voilà. Donc là, on va mettre, 20 g de sel par kilo et on mettra 1 g de poivre par kilo. Et ouais, il ne faut pas que ce soit trop fort. Juste parfumé. OK ? Voilà. Donc, ben, j'ai préparé mes boyaux, ici, voilà, les boyaux, ils sont prêts. J'ai préparé mon poussoir, comme d'habitude, ma machine terrible. Et, ben, allez, on se lance, j'achète tout ça, et puis, ben, on continue ensemble. Hein? Allez, à tout de suite, les copains. Voilà, donc, je suis en train d'hacher, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Voilà, donc, j'ai bien dit tout à l'heure que chacun pourra le faire à sa maison, mais il vous faut quand même un minimum de matériel, c'est-à-dire au moins un hachoir. Que ce soit à main ou que ce soit électrique, et il vous faut un petit poussoir, quoi, parce que ben sans un minimum de matériel, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Voilà, donc j'achète ça, on assaisonne ensemble et on continue. OK, voilà, donc ça y est, la viande est hachée. Là, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai préparé ici mon sel et mon poivre, mais ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que je vais mettre une ancienne épice dedans. Ça s'appelle le rabelais. Donc ça, le rabelais, si vous tapez sur internet épices rabelais, vous allez trouver la société qui les vend, etc. Donc ça, c'est excellent, parce que c'est un peu comme le 4 épices, sauf qu'il n'y a pas de clou de girofle, parce que ce clou de girofle en fond de bouche, ça revient mal. Mais ça relève bien le goût de charcuterie, pâté et tout. Donc ça, c'est du travail à l'ancienne. Là-dedans, il n'y a ni conservateur, ni rien du tout, quoi. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je travaille avec une main et l'autre main, je tiens le portable parce que ben, j'ai une caméra une X-Pray03 là pour les fêtes de Noël que le Père Noël m'a porté donc. Mais le souci, c'est que pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps de regarder. Donc, vous voyez comme c'est le rabelais. Voilà. Et ça sent hyper bon. Donc, ça, alors ça se met, enfin, moi perso, je le mets à vista des nas, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire, tu n'en mets pas beaucoup. Bon, là, c'est l'hiver, on ne fait pas des grosses quantités de charcuterie. Mais ça tombe bien parce que tous les copains chasseurs, tous les youtubeurs qui sont en train de regarder cette vidéo et tout, tous ceux qui aiment charcuter, eh bien, au moins, comme ça, vous saurez comment faire. Hein. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez 20 g de sel par kilo. Et vous mettez 1 g de poivre par kilo, voilà. Et après, bon, vous mélangez bien votre assaisonnement, comme ça. Voilà, qu'il soit homogène et mix. Et voilà, vous voyez. Bon, le dommage, c'est que vous n'ayez pas l'odeur. Donc, je vous fais voir une dernière fois le rabelais. Voilà, je ferai une photo, on la glissera dans la vidéo. Voilà, et donc là, l'assaisonnement à sec, nature, pas d'eau. Pas d'eau. Bon, je ne mets pas d'ail non plus. Parce que ben, y en a qui sont allergiques à l'ail. Maintenant, avec tous les problèmes d'allergie qu'il y a dans le monde, donc il faut faire attention à ça. On peut mettre aussi, si vous voulez, une goutte de vin blanc pour relever un peu le goût de la saucisse. Personnellement, je ne le fais pas parce que ben, moi, ce n'est pas pareil. Moi, j'ai un commerce et il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Donc, tout simple, nature. Allez, on mélange et puis ben, on continue. OK ? Donc voilà, moi j'ai un pétrin pour mélanger, mais n'allez pas acheter un pétrin pour mélanger un peu de cochon ou un peu de sanglier que vous allez faire 4 saucisses avec. Hein. Ça, vous le mélangez à la main. Hein. Voilà. Parce que bien sûr, il ne faut pas vous ruiner en matériel. Hein. Donc après, des petits pétrins, des petits poussoirs, vous en trouvez
vous en, pas des pétrins, des petits poussoirs, vous en trouvez pas cher là sur, sur internet. Pour faire 3-4 kilos de saucisses ou même 10 kilos, ça suffit. Vous rechargez plusieurs fois et c'est impeccable quoi. Donc voilà. Alors là maintenant je prends ma farce que je viens de faire et je vais la mettre donc dans mon poussoir. Hein, ok. Donc ce que vous faites là, quand vous... Je refais une vidéo complète sur les saucisses, comme ça certains seront contents. Donc voilà. Surtout quand vous faites, quand vous chargez votre poussoir, vous faites des boules comme ça. Et vous avez entendu taper au fond. Voilà. Quand vous faites dans, à la maison, pareil dans votre bac, vous tapez pour chasser l'air au milieu, qu'il n'y ait pas d'air. Donc, vous avez bien vu que l'assaisonnement, j'ai juste mis du sel, du poivre, un peu de rabelais. J'ai pas mis d'eau. J'ai pas mis de vin blanc. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de vin blanc. Ça relèvera un peu le goût de votre saucisse. Ça la conservera, puisque l'alcool est un conservateur naturel, le sel aussi et le poivre aussi. Et au moins chacun pourra en faire à sa maison s'il veut. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé de ne plus mettre de rossisseur et de conservateur et de ci et de mi et de là? Mais tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à tout. Et vous voyez pas tous ces cancers qu'il y a de partout, de tout. Bon, ils ont détruit la planète pratiquement, enfin bref. Donc pour ça, c'est fini, je ne mets plus rien. Moi de la saucisse, j'en fais toutes les semaines, on est d'accord? Tu fais pas une quantité de saucisse pour le mois, eh non. Tu fais un peu de saucisse, tu te débrouilles à la faire pour ta semaine ou pour 3 jours, 4 jours, plutôt t'en refais, tu comprends? Au moins t'as toujours un produit frais, voilà. Et ça sert à rien de mettre ces conservateurs et tout. Tu fais sans conservateur, ce sera apprécié niveau gustatif et niveau tout. Eh oui, forcément. Donc, alors là, je charge mon pétrin, mon poussoir. J'y tiens décidément. Voilà. Je charge mon poussoir. Voilà. Donc, si vous avez un petit poussoir de table, moi j'en avais un, je l'ai donné à un copain de chasse, il y a une vidéo là-dessus, j'ai récupéré un truc qu'il avait fait lui en inox, etc. Donc moi j'en ai donné un, c'était un Kléber, un super bon petit poussoir, hein. Je veux dire pour dépanner, j'attends une coupure d'électricité ou quoi, ça m'a souvent dépanné à la boucherie. Et alors pour le tenir sur la table, parce que c'est hyper léger, j'avais mis, tu sais, un serre-joint, et je l'avais pris, donc le poussoir il est là, mettons j'avais mis un serre-joint et je l'avais pris comme ça dessous. Là, au moins, ça ne branchait plus. Puis au moins, tu peux aller un peu vite, quoi. Sinon, demain, tu y es encore, quoi. Et voilà, quoi. Donc, le pétrin, le poussoir. Oh, j'y tiens. C'est fifi. C'est pas grave. Le poussoir est chargé. On prend les boyaux. Je pousse. Et puis, en même temps, j'explique à tout le monde comment tresser des saucisses. Eh oui, parce que cette question, je l'ai vue et revue et revue. Allez les amis, on continue de suite. On va faire assez saucisses. Donc on commence par les chipolatas, donc la petite fine. Hein. Bon alors pour trouver les boyaux, alors soit vous avez un collègue boucher qui veut bien vous vendre des boyaux. Maintenant nous les bouchers, les boyaux on les revend pas. Pourquoi? Ben parce qu'ils coûtent très cher et on s'emmerde déjà pour les avoir. Sinon, si vous connaissez une maison où c'est qu'on vend des assaisonnements, eh bien vous trouverez des boyaux chez eux. Voilà. Je donne pas de nom parce que c'est pas mon but, mais bon, à vous de trouver, voilà. Donc les petits boyaux là que je suis en train d'embosser sur la canule, c'est des petits boyaux de mouton, d'accord? Donc avec ces petits boyaux, vous pouvez faire donc de la chipolata, vous pouvez faire tout ce qui est petite saucisse, vous pouvez faire les merguez aussi avec, voilà. Hein. Et, donc je branche la machine, elle fait du bruit, vous le savez, hein, c'est pas grave. Et ouais, et voilà. Et donc là, je pousse mes saucisses. Donc alors, si vous avez un poussoir à main, allez-y doucement. Voilà. Voyez? Eh oui. Donc là, ça va vite, hein. Voilà. Je la redébranche. Bon, parce que vous le savez, hein, j'ai coupé le... Et ouais. Article 22, démerde-toi comme tu peux. Eh oui, voilà. Donc moi, ce que je fais, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien de faire un nœud au bout, hein, parce que j'aime pas de retrouver... parce qu'après ça, tu l'es pas en charbon froide. Voilà.
J'aime pas de retrouver le matin, si tu me fais pas un petit nœud au bout, dans la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la chair, elle descend, et puis tu trouves un petit morceau par terre. Ça, je supporte pas. Voilà. Donc, pour tresser, attends, je vais un peu avancer. C'est pas évident, tu sais, il y a les fils au milieu et tout, c'est pas grave, hein, c'est super. Donc voilà, pour tresser les saucisses, tu prends à peu près, tu fais pas un pan complet. Un pan, ça fait un peu plus de 20 cm, c'est-à-dire du pouce au petit doigt. Ça fait un peu plus de 20 cm selon les mains que tu as. Voilà. Donc à peu près, tu fais pour une portion, tu vois, pas trop grande les saucisses. Sinon, quand tu as ça dans l'assiette, les gamins, après, ils disent, oh, même si elle est bonne, putain. Voilà. Donc, tu pinces là, doucement, tu vois, tu pinces avec tes doigts. Tu vois, j'ai pincé le boyau. Tu pinces là. Tu remets ton autre morceau de saucisse, tu vois, là. Donc, où elle s'arrête, celle-là, tac, tu as ta deuxième saucisse. Pareil, tu pinces. Là, ce que tu fais ça. Tu tournes. Tu vois, et encore, tu vois, voilà, j'ai pété le boyau. J'ai pas fait exprès. Voilà, mais c'est juste pour te faire voir. Voilà. Et là, tu remontes comme ça. Et forcément, tu vois, forcément, là, tac, tu as ta troisième saucisse. Donc pareil, tu pinces ton boyau comme ça, doucement, sinon tu exploses tout. Et là, tu passes ta saucisse comme ça, et comme ça, et comme ça. Là, tu as fait une tresse. Maintenant, il faut continuer, parce que le boyau, il est long. Donc tu vas jusqu'au bout, il faut tout tresser. Voilà, donc, et pareil, et crac, et crac. Bon, ce qu'il y a, tu ne le fais pas comme ça, comme je suis en train de faire, pour que tu voyes bien comment on tresse les saucisses. Tu ne le fais pas comme ça, pendu en apesanteur. Pourquoi? Parce que là, il y a du poids qui tire là-dessus, donc forcément ça va casser au bout d'un moment, et tu vas faire un mauvais travail, et ça, c'est pas bien, voilà, enfin, du moins c'est pas fifi, voilà, donc là je la pose dans le bac, mais voilà, vous avez compris le principe, au pire tu remets en arrière, et puis tu regardes, et ouais, voilà, et puis hop, et voilà, tu tresses tes saucisses, voilà, donc là on fait la chipolata, bon tu vois, moi je vais vite, hein. Mais c'est normal, hein. Je fais ça depuis que je suis né, quoi, et... Là, avec la même farce, ce qu'on va faire, on va faire de la grosse saucisse. On va faire la Toulouse, comme on dit, tu vois. Donc pareil, c'est le même principe, c'est que le boyau qui change. C'est, donc les boyaux qu'on va prendre pour la grosse, c'est des boyaux de porc. Bon, ça n'empêche pas que si tu veux faire de la merguez ou de la soubrossade dans des gros boyaux, ben, tu peux le faire. Le truc qu'il faut savoir, c'est que les gros boyaux, ils coûtent moins cher que ceux-là. Ça vaut un bras, hein. Je te garantis que ça vaut cher. Hein. Ça, ces petits boyaux de mouton, ça vaut vraiment cher. Hein. Donc, tu t'amuses pas à acheter ça pour toi à la maison. Ouais, tu vas t'acheter des gros boyaux, là, et ça suffit. Voilà. Et voilà, tu vois, bon, après, moi, je les mets 3, et forcément, 3. Voilà, un crochet, et hop, ça part en chambre froide. Comme d'habitude, voilà, ok, donc je rentre ça dans ma chambre froide, et puis on continue, on fait l'autre, ok, voilà, ça y est, les chipots, elles sont donc rentrées en chambre froide, maintenant on va faire la grosse, donc, pareil, même principe, donc déjà tu le vois, là, le boyau, il est beaucoup plus gros, hein. Donc même principe, hop, on tire un boyau, alors là, je fais ça, pourquoi? Pour enlever l'eau, sinon je m'en fous de partout, eh oui, voilà, tu prends ton boyau, tu le mets sur ta canule, et là, tu l'embosses, comme on dit, tu vois. Tu l'enfiles, si tu préfères, voilà. Là, au bout, un petit nœud, comme d'habitude. Une fois que tu as fait le nœud, tu mets en route la machine. Et là, allez, c'est parti. Voilà. Alors, tu vois, quand tu pousses, tu vas doucement, il ne faut pas être pressé. Qu'il n'y ait pas d'air dans la saucisse, parce que l'air, ben forcément, l'oxygène, c'est ce qui va te permettre de ne pas garder ta charcuterie. Voilà. Donc, tu évites qu'il y ait de l'air dedans. Au pire, ce que tu peux faire sur des gros boyaux, hein. Attends, j'arrête parce que... Voilà. Sur des gros boyaux, au pire, ce que tu peux faire, c'est que... une fois que tu as mis ta chair dedans, si jamais il y a des petits trous d'air, tu tresses, et après tu prends, mettons, une fourchette, ou des aiguilles à coudre, quoi, mais tu vois que ce soit fin, et tu piques partout où tu vois de l'air, voilà, juste un petit coup, tu vois que l'air s'en aille, voilà. Donc pareil, hein. Attends, je repousse ça, que tu revoyes bien.
Alors là, sur la grosse, tu le verras encore mieux. Donc, tu vois, voilà. Mais pareil, tu fais pas des grandes saucisses. Tu fais des portions. Voilà. Tu vois, ça, un pain, comment t'expliquer? Comment te faire voir? Parce que ça glisse. Eh ouais, c'est de la saucisse. Eh ouais. Alors, voilà. Tu vois, un pain, c'est trop. Donc, tu fais moins. Tu fais, mettons, tu arrêtes ici. Tu vois? Tu arrêtes à celui-là. À lui. Je me rappelle plus son nom, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, voilà. Tu fais à peu près ça, tu vois, que ce soit pas des grosses saucisses quand même trop énormes. Hein, voilà. Alors, tu fais ça, et tu te... Oh, pourriou, j'ai été trop vite. Oh, purée, un coup de pied au cul, Fifi. Alors, voilà. Tu fais la première, tac, tu fais la deuxième, tac, comme tout à l'heure. Hein. Puis là, alors là, quand tu es là, tac, tu fais ça. Et là, tu fais ta troisième, tu vois. Tu passes comme ça, tu passes comme ça, et tu passes comme ça. Voilà. Voilà. Et là, pareil, tu continues. Mais pareil, hein, tu t'appuies, parce que ça tire, là. T'as tout qui va péter. Eh oui, c'est des boyaux. Qu'est-ce que c'est, les boyaux? Allez, une petite question. Qu'est-ce que c'est, les boyaux? Les boyaux, c'est les intestins. Eh oui. C'est les intestins. Ouais, on en a tous dans le ventre. Eh oui. Donc, voilà. Là. Donc, c'est fragile. Tu sais bien que c'est fragile, les intestins. Eh oui. Voilà, tu vois, là, t'as fait tes saucisses. T'es, ça sent bon, ça me file faim. Oh, tu sais quoi? C'est 7h du soir. J'ai mon gendre, ma fille qui mange avec nous, c'est super, on va passer une bonne soirée. Voilà, regarde ça, c'est pas beau? Voilà, bon, mais les gars, encore une petite vidéo sympathique. Enfin, je pense qu'elle est sympathique, hein. Mais je vais continuer, je vais finir mes saucisses, je vais faire mon nettoyage, et puis je vais monter manger avec ma femme et mes enfants, et mon gendre, et puis ben, on va passer une bonne soirée, et puis ben, nous on se revoit incessamment sous peu pour d'autres vidéos, voilà. Et la prochaine vidéo que je vais faire, je peux l'annoncer aujourd'hui, il y a Bambino, il va être content, hein, parce qu'on va faire, en fait, on va faire les poitrines roulées, et on va les faire au filet. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande comment tu fais au filet, moi je sais pas ficeler, etc. Donc on va faire les poitrines roulées au filet. Si demain j'ai le temps, je me débrouille, parce que j'en ai une sortie du sel là. Donc si demain j'ai le temps, je me débrouille de vous faire une petite vidéo, comme ça c'est nickel. Ok les gars? Allez les youtubeurs, les amis, Facebook, tous quoi. Des gros bisous, à bientôt, voyez? Ça va bien. Pourtant, hier, j'ai encore perdu un copain. Eh ouais. Et hier soir, je te garantis que j'étais mal et j'avais vraiment plus envie de rien. Mais bon, si tu te mets pas des coups de pied au cul dans cette vie-là, eh bien, c'est mort, quoi. C'est mort. Sans compter les emmerdes qu'il y a de la vie de tous les jours. Plus, mais là, on fera une autre vidéo là-dessus. Plus que maintenant, tu as l'État qui t'oblige à acheter une... Écoute bien ça, hein. Soit une caisse enregistreuse, soit une peseuse avec un logiciel pour le fisc, tu vois, voilà. Donc, mais j'expliquerai ça un peu plus tard. Bon, on en a commandé une avec Patricia. Je vous ferai voir tout ça. On fera une autre vidéo. Sur ce, les amis, bonne soirée, bisous à tous, soyez prudents et puis à la prochaine. Ciao.